Changer, pourquoi veux-tu me changer? Bouger, pourquoi veux-tu me bouger? Déranger, pourquoi veux-tu me déranger? As-tu pensé à venir devant chez toi? As-tu pensé donner un peu de toi? J'adore cette chanson parce que ça parle du changement. Changement de mentalité, changement de, voilà, de comportement pour amener l'Africain, le Sénégalais que je suis, l'artiste que je suis, tout simplement l'homme que je suis, à aller opérer le changement qu'il lui faut. Parce qu'on a besoin de ce changement pour être confronté au monde, pour aller... Quand on accepte le changement, ça veut dire qu'on va vers l'autre. L'autre vous donne, vous lui donnez, et il y a une opération de transfert de part et d'autre, et c'est ça qui amène la richesse chez l'individu et dans la société de façon générale. Je dirais même que, comme a eu à le dire notre président, cher poète Léopold Sédar Senghor, c'est au rendez-vous du donner et du recevoir. On va vers l'autre et l'autre vient vers nous. Et c'est ça la richesse, en fait, de l'homme. En fait, je disais que ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que la musique, nous avons des problèmes à notre musique, des problèmes intrinsèques, si vous voulez, à notre musique. C'est la musique elle-même, notre musique, qui est généralement le mbalax, qui est une musique hors pair, hein, en ce sens que le mbalax est joué que par nous dans le monde. Nous sommes les seuls à jouer le mbalax. Donc, c'est une richesse, c'est une grande richesse, mais faudrait-il que nous soyons en mesure de la rendre plus riche qu'elle ne l'est. C'est-à-dire, c'est une musique qui présente des caractéristiques rythmiques, par exemple, que nous sommes les seuls à avoir, que nous sommes les seuls à connaître. Mais nous avons peu d'instructeurs en la matière. Nous avons peu de formateurs, nous avons peu de gens qui ont eu à l'éclore, à la rendre visible et la rendre audible aux yeux des Occidentaux, aux yeux de l'étranger, aux oreilles de l'international, par exemple. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul à détenir quelque chose, les autres ne connaissent pas. Et il s'agit maintenant à nous, il s'agit pour nous plutôt, d'aller vers les autres et de leur montrer, de leur dire, voilà comment est notre musique. Aimer notre musique. Pour faire aimer quelque chose, il faut mettre tous les ingrédients qu'il faut. C'est pas évident. Il faut avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire avoir les moyens d'imposer cette musique. Parce que le reggae a été imposé, le jazz nous a été imposé, toutes les musiques américaines nous ont été imposées. Parce qu'on nous a bombardé ça à travers toutes les radios, toutes les télés pendant un truc, on a fini par aimer. C'est ça l'imposition. Que ce soit une musique binaire, que ce soit une musique ternaire, peu importe. Mais comme nous n'avons pas assez d'argent pour véhiculer cette musique-là, et que la musique elle-même présente des failles, donc vous voyez toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Alors aujourd'hui, moi j'avais toujours préconisé que si on n'avait pas les moyens de notre politique, qu'il fallait aller vers des passerelles, ce que j'appelle passerelles, c'est-à-dire des moyens plus ou moins mitigés de convertir notre musique, de la rendre agréable à l'oreille de l'occidental. Par exemple, je ne peux pas me permettre de faire, si je fais par exemple ça, hein, «
ça c'est une gamme sérieuse, ça c'est une gamme, c'est une mélodie sérieuse, tout à fait sénégalaise. Pour que ça passe chez l'occidental, il faut mitiger ça avec quelque chose que l'occidental peut comprendre. Il faut qu'il se retrouve, pour qu'il puisse se retrouver. Je donne comme ça, bêtement, un exemple, quoi. Si je vais. Ben, je fais ça, par exemple, ça, je joue ça, mais j'essaie de jouer ça comme ça. Je peux jouer ça sous forme de reggae, par exemple. Là, immédiatement, je commence à toucher un tout petit peu l'aspect international, je commence à toucher à partir de quelque chose de chez nous. Ou bien encore, jouer ça sous forme de zouk, en tout cas, aller vers des passerelles, j'appelle ça passerelle, pour permettre à l'autre oreille de pouvoir comprendre ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est un moyen. Soit avoir beaucoup d'argent pour faire passer de la musique telle qu'elle, ou bien, si on n'a pas les moyens, aller pas vers des passerelles comme ça. Alors, sinon, encore une fois, comme par exemple, comme le font aujourd'hui les jeunes rappeurs, quelque chose comme ça, qui viennent d'arriver, ils viennent prendre le train en marche. Ils savent que ce ne sont pas de grands musiciens. Ils le savent. Mais c'est de bons informaticiens. Aujourd'hui, le rap sénégalais, par exemple, il est compétitif au niveau international. Parce qu'il ne s'agit plus de musique, il s'agit maintenant de génie pour pouvoir, de combinaison. Par exemple, quand avec mon Mama Chine, je parviens à aller prendre un morceau d'Angelo, c'est la phrase que j'aime bien, je vais prendre, et j'ajoute à ça sur mon truc, voilà. Je prends un morceau de Babacar, une phrase de Babacar, j'ajoute, je fais mes petites combinaisons, des rythmes que je vais prendre d'ailleurs, je fais mes petites combinaisons, tu vois, j'arrive à faire quelque chose. Et souvent, ça, c'est très accepté par les autres. Parce que c'est en général des digis, des gens qui comprennent bien les mentalités des autres et ils obtiennent quelque chose. Je crois que ça, donc, à la place des musiciens, ce sont les informaticiens maintenant qui parlent. Et c'est une innovation. Il faut bien prendre ça. Il faut se dire aussi qu'on avance. La technologie est là, c'est pour tout le monde. Merci. Il faut l'utiliser, et il faut que tu l'utilises, que je l'utilise, mais en tout cas faire en sorte qu'on l'utilise à bon escient. Voilà. Les gros moyens, ça ouvre beaucoup de portes. Malheureusement, je ne dis pas heureusement, je dis malheureusement. Ça peut tuer l'art. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, même au Sénégal. Déjà que nous, on a beaucoup de problèmes pour émerger au Sénégal et en Afrique de façon générale. Si nous avons de grands artistes aujourd'hui, de renommée que tu entends, ils n'ont pas été découverts par des Sénégalais, non. Ils ont été découverts par l'extérieur, qui sont venus, et ils les ont pris, et ils les ont amenés à l'extérieur. Et ils ont augmenté leur notoriété. Et c'est tout à leur honneur, c'est leur chance. Mais je veux dire que si on renversait la donne, aujourd'hui, par exemple, que c'est des Sénégalais eux-mêmes ou des Africains eux-mêmes, soit à la base, c'est-à-dire qu'on ait nos propres producteurs, qu'on ait nos propres éditeurs, qu'on ait nos propres distributeurs. Alors, avec ce que ça comporte comme avantage, voilà. Donc, tout est une question de moyens. Les idées sont là de toutes les façons. Maintenant, on est à l'ère de la mondialisation. Mais au niveau du matériel, au niveau du financement et tout, c'est ça la grande différence. Au niveau des moyens, c'est la grande différence. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, les Américains, ou les Occidentaux de façon générale, ils ne viennent plus avec des fouets, avec des armes pour te convaincre. Non,
ils t'envoient de leur musique, leur culture, et tu viens bien. Le rap, tous nos rappeurs, la plupart de nos rappeurs, ils rappent américains. Sur des beats américains et trucs, et ils sont contents. Alors que ça, ils savent pas qu'il y a un gros piège dedans. C'est parce qu'ils pensent maintenant américain. C'est le gros piège. Et ils sont presque tous tombés dedans. Maintenant, il s'agit pour nous autres de leur dire que, écoutez, nous allons essayer de renverser la donne. Renverser la donne, c'est-à-dire les samples que vous prenez chez les Américains, on va, nous autres Sénégalais, vous procurer ces samples-là et on va essayer. Prenez des samples africains, des samples trucs, pour essayer maintenant d'apporter, voilà quoi. Il n'y a pas de personne n'a le monopole de la vérité. Personne ne peut se dire, c'est moi qui fais la musique, toi tu ne fais pas de musique. Non, la musique, c'est quand tu peux faire ça, que rendre ça agréable à l'oreille des gens, c'est tout. Ça demande de la culture. Ça demande de la culture. Alors que pour la plupart de nos artistes, ne sont pas cultivés. Cultivés culturellement, je veux dire. Hein. Cultivés culturellement. Ils ont beaucoup de génie, nos informaticiens, nos arrangeurs-là. Mais au niveau de la culture, et pourtant Dieu sait qu'ils pourront faire, qu'ils pourraient faire des choses, qu'ils pourraient faire quelque chose. L'Italie et Via Maffei, vraiment, c'est une longue histoire. J'ai toujours côtoyé l'Italie de par le secteur culturel. On a eu beaucoup de choses, on a beaucoup échangé. J'ai eu à faire des prestations, et notamment dans les chancelleries et à l'occasion de certaines manifestations, cérémonies organisées par l'Italie. Et en plus, le consul du Sénégal, Santini, a épousé ma fille. En plus, donc il va tous ces liens qui font que moi je suis devenu italien par la force des choses, quoi. Et puis voilà, en plus j'entretiens d'excellents rapports avec l'ambassade d'Italie actuellement. Je suis invité à chacune de leurs cérémonies et tout ça. Et vraiment, je m'en réjouis fortement. L'Italie est devenue ma seconde maison, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et j'y vais quand je le peux. Et puis vraiment, voilà quoi. Lasciatemi cantare con la guitare in mano. Je chante comme les Italiens, quoi. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Non Italia con i tuoi artisti, purtroppo mica si manifesti, con la canzone, con amore, con il cuore, con piacere e il suore. Non Italia con il giorno. J'oublie un peu le texte. Un peu à l'intention des Italiens, voilà, des Italiens, vraiment, j'ai eu à faire ça. Il paraît que ça a touché vraiment le monde italien. Je m'en réjouis fortement. En tout cas, que la santé, que l'Italie retrouve toute sa sérénité. Voilà.